Bonjour à tous les amis, c'est Spraman & Co. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la mise à jour 2.17. Donc pour commencer, on va parler du système des compagnons, ou plutôt les multiman. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu marqué les effets sur le site officiel. Les dommages ne sont absolument pas décrits, entre autres. Donc ça, je vais un peu vous en parler également pour savoir lesquels de ces multiman sont un peu intéressants. Et bien sûr, ensuite, les détails de la mage. Il y a pas mal de changements quand même assez intéressants. En particulier pour les écaflips avec, comme vous pouvez voir ici, une grande liste de choses. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous présenter les deux multimans qui sont vraiment intéressants, on va dire. Alors, celui qui est vraiment très intéressant, c'est Ombre. Au niveau de la frappe, je vais vous montrer ensuite un peu combien il frappe. Et Lumino pour les soins. Donc lui, il a d'excellents soins également. Avec un sort qui frappe, qui soigne entre autres du 13% en zone, comme vous pouvez le voir, en zone deux fois par tour. Donc 13% c'est énormément, surtout pour des persos ayant au moins 500 points de vie, 5000 points de vie, pardon. Donc je ne sais pas exactement comment ça varie en fonction du niveau, je pense que ça fait moins lorsqu'on est plus bas niveau. Parce que là, les effets qui sont marqués, les caractéristiques entre autres, c'est lorsque l'on est bien sûr au niveau 200. Donc avant, je ne sais pas exactement ce à quoi ça correspond. Que je les ai pris là sur la bêta test. Ce qui est intéressant encore avec les trois multimans que vous pouvez voir, donc celui-là, celui-là et celui-ci, ne sont vraiment pas très bons. Il y a juste celui-ci qui peut être un peu intéressant car il a en fait un sort de debuff. Il a même plutôt deux sorts de debuff. Il a bon, déjà une sorte de fraction. Un sort qui enlève du tacle. Et encore un sort qui enlève de l'esquive PAPM. À chaque fin de tour, chaque début de tour, il rajoute de l'esquive du retrait PAPM, donc c'est pas mal également. Donc ça a des buffs. Il y a également ce sort qui booste les PA, donc il est assez intéressant. Et pour finir, celui-ci qui. Non, c'est pas ça. Pour finir, celui-ci qui débuffe également un F, qui débuffe 3 tours. Alors pour commencer, je vais vous parler de Ombre. Donc à chaque. À chaque fin de tour, toutes les personnes en zone foudroiement autour de Ombre vont être boostées de 100% de dommages. Donc seulement vos alliés, les ennemis ne sont bien sûr pas affectés. Il faut savoir que tous les multimans ont à chaque fois un effet comme ça. Celui de Ombre est encore assez intéressant. Donc au niveau des effets, comme vous pouvez voir, il a donc 3050 points de vie, 11 PA, 6 PM, 8 ans de dommages, 1200 de puissance, 8 ans d'esquive PAPM, donc c'est vraiment pas mal. 60 de fuite et de tacle, donc là encore c'est pas mal. Et 8 ans de retrait PM, c'est encore un très bon truc. Il a un sort qui retire des PM. C'est Crépuscule qui retire 2 PM, qui vole 2 PM d'ailleurs, à 3 de PO, pour 2 PA uniquement, surtout qu'il frappe encore. A savoir que, en tout cas, tous mes sorts là, ils sont 1 sur 2, donc lors des calculs des dommages, j'ai tout fait en 1 sur 2. Donc je vais vous montrer ici, j'ai fait une petite table. Donc ici, vous pouvez voir les différents sorts, donc les différents sorts de frappe tout du moins. Donc les dommages de base, avec les CC, donc c'est-à-dire j'avais pris. Pour vous montrer comment j'ai fait le calcul, hop, c'est pas ça. J'ai pris donc 11 plus 13 plus 14 plus 16, le tout divisé par 4 pour un coup. Donc les dommages que vous voyez ici, c'est les dommages moyens en un coup. Donc cartilage, il frappe du 411,5 en moyenne par coup. Donc je vais juste vous décrire un peu les sorts quand même. Alors cartilage, pour 2 à 7 de PO, ça frappe en plus en zone cône, sur la zone d'arrivée. Donc ça frappe voilà, en zone comme je l'ai dit. On peut le faire deux fois par tour, une seule fois par cible. A savoir également que ça permet d'avancer Ombre de 6 cases. C'est assez intéressant, c'est une sorte d'attirance inversée. Donc elle frappe plus ou moins du 416. Avec 25,5 dommages de base, à savoir si vous voulez l'augmenter en puissance, etc. Ensuite Diable Schiste. Alors ce sort-ci... En fait, il est un peu spécial. Il frappe également donc autant que le cartilage, sauf qu'il prend 3 PA, donc également du 411,5 par tour. Avec, en fait, je crois, sauf erreur de ma part, qu'il met de l'érosion, mais je ne sais pas exactement sur quel personnage. Je ne sais pas si c'est sur la personne qu'il frappe ou si c'est sur lui-même. Je vais regarder ça une seconde. Oh bah. Ah, non. Je vais aller où? Le Decania. Non, je vais tuer les mobs si je fais ça. Je trouve un endroit. Voilà, village des sottes. Je peux pas.
je sais pas moi. Ça. Oh, des bouacs, ils sont trop choux. Donc, je vais vous montrer un peu comment d'ailleurs c'est les combats avec lorsqu'on lance avec un allié. Par exemple, je vais faire un Ouginak ici. Vous voyez, il y a Ombre qui vient avec moi. Ombre est niveau 200, c'est moi qui le contrôle. Ça, j'ai oublié de vous préciser si vous ne saviez pas. Je ne sais pas comment on peut le placer. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut cliquer dessus et mettre. Voilà. Échanger les positions. Voilà. Donc, lorsque c'est à son tour de jeu, ça change automatiquement les sorts. Donc, comme vous pouvez voir là, je vais donc faire un Diable Schiste. En fait, ça va me donner 5% de faiblesse pendant 3 tours. Voilà. Donc j'ai Louginac à 20% d'érosion. Oui, c'est bien ça. Louginac à 20% d'érosion. Avec un cumul max des effets de 2. Donc c'est assez intéressant. Et moi, j'ai également pendant 3 tours avec un cumul max des effets de 2 également. Donc on peut le faire 2 fois par tour. Mais uniquement une fois par cible. Donc comme vous pouvez voir, j'ai les dommages augmentés de 12 pour le tour suivant, donc 2 fois. Donc les dommages sont augmentés de 24, ce qui est assez intéressant. Maintenant, je vais en refaire un pour voir si on peut avoir jusqu'à 15% de faiblesse en tout cas. Donc je vais refaire un Diable Schiste sur les nids, vous allez voir, ça va un peu plus bourriner déjà. Donc pour 3 PA frappés du 715, je trouve que c'est assez bourrin. Donc comme vous voyez, on peut maximum recevoir 10% de faiblesse avec ce sort, ce qui est donc pas mal, et surtout que il frappe quand même assez fort pour un petit mob comme ça. Alors donc j'achève l'adversaire, surtout que ça met de l'érosion et tout. Alors donc, je reviens là. Donc le sort pour 3 PA, il frappe du 411,5, pour 3 PA donc uniquement une seule fois par cible malheureusement. Le tour d'après, vous aurez donc un boost de 12 dommages. Celui de dommage de base, soit ou un boost de 15 dommages si vous avez fait un CC. Donc en moyenne, ça fait 13,5 dommages de boost pour le prochain tour si vous ne faites le sort qu'une seule fois. Donc si je suppose par exemple que le premier tour on attaque un seul monstre ou un seul ennemi, voilà, frappé du 411,5 en lui mettant 20% d'érosion et donc en ayant 5% de faiblesse, et au prochain tour on aura 175,5 de boost en moyenne de frappe. Si par contre on peut attaquer deux personnages le premier tour et deux le deuxième, à chaque fois on va avoir un boost de 351 dommages. Donc on va vraiment frapper très fort du 760. C'est vrai qu'il est pas mal Diablochiste, c'est assez bourrin, c'est mesochiste. Bref, surtout il ne faut pas oublier que Ombre a 11 PA. 11 PA 6 PM. Ensuite, Ombro Jolino, que je retrouve Messor, compagnon, voilà. Donc sort Ombre Jolino, c'est un sort donc qui se fait à distance de 2 à 6 PO en zone. Il retire de la puissance avec un cumul max des effets de 2, donc ça peut être un peu intéressant. Surtout ça fait en zone disons. Même les personnes au corps à corps on peut les atteindre puisque c'est une croix même si on a une portée minimum. Par contre on ne peut pas se frapper soi-même. Donc en CC ça enlève un peu plus de puissance. Et on gagne également 50 de puissance pour 2 tours, donc on peut gagner jusqu'à 100 de puissance avec ce sort. Il est lançable 2 fois par tour. On peut le faire donc même 2 fois le même tour sur une cible à distance, jusqu'à 6 cases. On peut même atteindre une cible à 7 cases comme c'est en zone. C'est pas mal. C'est pas seulement en ligne droite, donc c'est vraiment pratique. Donc comme vous voyez, ça frappe plus ou moins du 346 en moyenne par tour, sans les 50 de boost. Ensuite, je vais parler de Crépuscule, le sort dont je vous avais parlé avant. Donc ça vole 2 PM. Deux fois par tour, une seule fois par cible, donc on peut gagner jusqu'à 4 PA avec ce sort, pour seulement 4 PA, donc c'est vraiment pas mal. Surtout qu'il frappe, donc il frappe plus ou moins du 255,5 en moyenne, bien sûr, toujours. Juste avec une seule attaque pour 2 PA, ce qui est franchement pas mal. Le dernier sort, Vengeance Nocturne, qui frappe en zone foudroiement autour de soi. Donc les dommages sont à peu près équivalents à ce foudroiement d'ailleurs. Ça frappe du 476,5 de base. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est cet autre sort, Colère Noire. Alors donc, il va déjà booster de 250 la puissance pour 2 tours. Donc ça va vous booster de 250, voilà. Malheureusement, ça nous met dans l'état insoignable pour 2 tours également. Intervalle de relance de 4, donc on peut l'avoir la moitié du temps.
Et également cet autre effet, vous voyez, moins 3 de résistance et augmente les dommages de base du sort Vengeance Nocturne de 1. De 5, pardon. Le cumul max des effets étant de 5, veut dire qu'on peut augmenter les sorts de Vengeance Nocturne de jusqu'à 25 et perdre jusqu'à 15% de résistance. En fait, à chaque fois que vous allez recevoir une ligne de dommages, vous allez avoir les dommages augmentés de 5 et perdre 3% de résistance. Donc si par exemple j'attaque avec la bague éternelle qui a 3 lignes de dommages, je vais être boosté de 15 les dommages fixes. Je vais être boosté de 15 les dommages fixes et je vais perdre 9% de résistance. Donc ensuite les dommages de Vengeance Nocturne seraient plus ou moins doublés. Vous voyez ici les dommages de base c'est 30,5, on passerait à 50, 55,5. Donc à chaque boost vous gagnerez 65 dommages de plus pour le tour d'après. Bon, c'est en zone foudroiement, donc plus on est à l'extérieur de la zone, moins on saute dommage, bien évidemment. Mais ça reste quand même très intéressant, surtout que Diable, que Vengeance Nocturne, on peut le faire tous les tours. Donc c'est vraiment pas mal, c'est un sort assez bourrin. Il monte facilement donc jusqu'à du 900, et on est un peu poussé avec Colère Noire. En plus avec les 250 de puissance, plus encore éventuellement des Ombrelino. Donc voilà. Maintenant au niveau des cumuls d'attaques qu'on peut faire chaque tour. Par exemple on pourrait penser à un crépuscule, Ombrelino, et ensuite une vengeance nocturne. Donc ça c'est un combo pour 11 PA. Ou encore par exemple deux Diablochis si on est à 7 PA, ensuite une vengeance nocturne. Donc à chaque fois on cale une vengeance nocturne en fait. Ou encore par exemple deux Ombrelino, un Diablochiste, ou bien un cartilage Ombrelino, Diablochiste. Voilà, je veux dire, il y a pas mal de possibilités. Et encore, je vous rappelle, Colère Noire prend 3 PA. C'est vraiment un personnage assez intéressant, Ombre. Il a des très bons sorts. Maintenant, je vais vous montrer juste un peu Lumino avant de parler de la mise à jour. Donc, à chaque fin de tour, il soigne environ du 150 en zone foudroiement autour de lui. En fait, tous les multimans ont des effets un peu comme ça. C'est pareil. Kazam, donc c'est un sort. En fait, il a toujours les mêmes caractéristiques pour information. Au niveau des dommages et de la puissance, il a par contre plus de fuite, moins de tacle. Il n'a pas de retrait PA puisqu'il n'y a pas besoin. Il a également moins d'esquive PM, voilà. Au niveau 200, bien évidemment. Donc Kazam, c'est. Ça frappe du 13 à 22. C'est pas très bourrin comme sort. Ensuite, dans la description du sort, occasionne des dommages neutres en zone. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même un sort en zone. Voilà, un peu comme Ombrelino. Les cibles infligent des dommages à leurs alliés et soignent leurs ennemis à proximité en début de tour. Donc je crois que la description n'est pas très claire quand même. Mais en fait, si j'attaque par exemple un allié qui est à mon corps à corps avec ce sort, et à son début de tour, ça devrait me soigner puisque bah, il soigne ses ennemis à proximité en début de tour. En fait, ça va soigner en zone foudroiement autour de la personne si je me trompe pas. Ça peut être un peu intéressant, je crois que ça soigne plus ou moins du 150. C'est pas super, c'est vrai. Tombourino, là c'est un sort à distance avec une portée minimum. Pas mal de portée quand même, il faut remarquer, 12 de portée max. Les dommages sont un peu risibles hein, quand même, 9 ça frappera plus ou moins du 200. Ensuite ça met l'état balafre en fait, c'est plutôt que. Dans la description du sort donc, ça va soigner également en zone foudroiement autour du lanceur, plus ou moins du 150-200. Ce qui peut être pas mal. Je crois pas que ça soigne le lanceur lui-même. Maintenant, illumination. C'est une sorte de libération, donc libération un peu plus fort étant donné qu'il y a un intervalle de relance que de 1 tour, qui repousse de 4 cases et qui fait une sorte de soin. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui se chope des dommages, de poussée on va dire, dès qu'il reçoit des dommages de poussée, il va soigner en zone foudroiement autour de lui. Lui non compris, il me semble. Donc ça peut être intéressant. Ça peut également soigner le Firefox lui-même, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié le nom. Cicatrice, un des meilleurs sorts qu'il aille. Donc 13% de points de vie rendus et 15 en CC, donc en moyenne 28%. Pour 8 PA, donc je rappelle qu'il a 11 PA et 6 PM, avec 4 de portée, ouais. Donc 28% de rendu en zone, donc en zone type épée du Yop. C'est donc une croix de 2 cases. Il peut le faire sur lui-même. Et ça soigne facilement donc du 1000 un peu plus. Donc c'est pas mal. Ce sort il est vraiment utile. Surtout que c'est vraiment en zone. Voilà. Maintenant écran. Donc un sort qu'il fait en zone à 10.
qui permet de réduire les dommages. Donc en fait, ça réduit les dommages, type un bouclier, n'importe quel type, type prévention, voilà, de 12, mais uniquement les dommages à distance. Donc c'est vrai qu'il faut pas trop aller au corps à corps avec celui-ci. Sachez également que lorsque je l'ai testé au putsch, ça ne réduisait pas les dommages pour lui-même. C'est-à-dire, quand je l'ai fait en tout cas sur Lumino, voilà, j'ai retrouvé le nom du Firefox, Lumino, il ne réduisait pas les dommages pour lui-même lorsque je l'attaquais. Donc a priori, ce sort ne ferait peut-être pas sur lui-même. C'est à moins que ce soit un bug et qu'ils vont corriger plus tard. Et pour finir, Divergence. Donc vous voyez, il frappe pas très fort de base, les soins sont moyennement élevés, surtout quand on voit Cicatrice. Donc uniquement en lançant une ligne droite. Cependant, c'est un peu comme punition ou voilà. À partir de 50% des points de vie max, donc si t'as 5000 points de vie, à partir de 2500, on va dire peut-être 2499, il va soigner un peu plus. Donc ça va passer de 24 à plus ou moins 20, de 15 à 24% de points de vie rendus environ. Et lorsqu'on est en dessous de 20%, ça va soigner environ du 30% de points de vie, ce qui est énorme. Je crois donc que c'est 30% sur les points de vie max de la personne et pas les points de vie insoignables qu'il a déjà perdu également. Donc c'est-à-dire que le même Sacrior, s'il a 4500 points de vie sur les 4500 points de vie max, donc c'est-à-dire qu'il a été il a perdu 500 points de vie d'insoignable, il ne va être soigné que 24% sur les 4500. Mais ça, je suis pas vraiment sûr de ce que je dis. Donc bref, à la fin, il peut également frapper environ du si l'autre n'a plus que 20%, il peut frapper facilement du 600, un peu plus. Bref, c'est pas un super bourrin, mais par contre un très très bon heal. Voilà, je vous ai parlé un peu de ses compagnons intéressants. Le dernier, c'est celui-là. Barry, il a également un peu intéressant. Donc pour l'instant, sachez que si vous vous abonnez pour un an, vous recevrez gratuitement un ombre. Donc sinon, il va vous coûter 5800 de green. Et si vous vous abonnez pour 6 mois au moins, pour 6 mois je veux dire, vous recevrez Lumino gratuitement en plus du cadeau d'abonnement. Alors que normalement, il coûtera 5800 de green. Moi-même, je me suis abonné pour un an sur mon Eni afin de recevoir ombre. C'est vrai que Lumino, il m'est pas très utile comme je suis déjà un Eni. Alors je vais donc vous parler un peu de la mise à jour. Il y a quelques trucs intéressants, en survol un peu. Donc là il parle des compagnons, on peut les utiliser seulement en PVM. À savoir, si vous faites avec 4 personnes et 4 compagnons, vous aurez une pierre d'âme de 8 butins si vous faites un Royal Mood ou tout comme ça. Ah, donc les compagnons permettent donc d'avoir des groupes plus gros par exemple en donjon, mais ils ne leur apportent pas de bonus XP. Donc si on fait un combat à 4 personnes plus 4 compagnons, à savoir qu'on peut avoir qu'un seul multiman avec nous, donc un seul compagnon avec nous, on aura toujours les XP de bonus 2x4 et pas ceux de 2x8. Il y a un nouveau donjon, la Dimension Obscure. Donc on peut combattre Ombre et ses lieutenants, on va dire. D'ailleurs, à savoir que sur la map, désormais, on voit l'obtention des sorts, apprivoisement des montures, boomerang, perfide, voilà. Donc le nouveau donjon se situe, sauf erreur de ma part, là, voilà, la Pyramide d'Ombre, là dans la Dimension Obscure, je ne sais pas exactement. C'est ce qui était écrit en tout cas sur Internet. Donc il y a également des nouveaux succès, voilà. La base des justiciers avec des nouvelles quêtes. Avant on avait le capitaine Amakna, il ne proposait pas grand-chose. Maintenant il y aura des nouvelles choses. Un nouveau truc assez intéressant pour les métiers, un calculateur de recettes un peu automatique. En fait on peut regarder en banque et savoir directement quel type de recettes on peut crafter via une sorte de recherche. Je ne connais pas exactement tout cela, je vais pas regarder, mais il me semble que ça peut être assez utile. Donc ensuite les dommages de poussée, là il y a toute une formule assez intéressante. Enfin, je vous la résume un peu. C'est vrai que avant les dommages de poussée se mettaient à partir du moment où on frappe de une case. Donc si par exemple on faisait un Maufrayeur et qu'on avait 300 dommages de poussée, on allait frapper les dommages de base, un peu, donc genre du 30, plus du 300 dommages de poussée, donc ça ferait du 330. Donc de même, les boliches qui poussaient de 4 cases frappaient toujours du 300 plus environ 4 fois 30, donc le nombre d'autres cases poussées, donc d'environ du 420. C'était alors pas très très proportionnel puisque les dommages de poussée ne se faisaient qu'à partir de une case et ensuite ça ne changeait plus. Donc de ce point de vue-là, c'est à modifier. Pour les persos de haut pouls tels que les Zeni, bon je pense pas qu'il va y en avoir des masses, ça va être un peu chiant. Donc en fait la nouvelle formule c'est le niveau de l'attaquant divisé par 2, donc si on est niveau 200 par exemple, ça donnerait 100, plus les dommages poussés de l'attaquant, moins les résistances de la cible, plus 32. Donc pour vous donner un exemple, moi en tant qu'Eni Ripsa, j'ai donc 100, 100
avec le niveau de l'attaquant sur 2, plus les dommages poussés d'attaquant rejet 0, donc 100 plus 0, moins les résistances de la cible, en supposant que la I0 ça fait moins 0, donc je suis toujours à 100, enfin plus 32, j'arrive donc à 132, et donc 132, 132 dommages en fait, et ensuite c'est divisé par 4, parce qu'en fait il faut prendre le nombre de dommages finaux, voilà, divisé par 4 multiplié par le nombre de cases. Donc si par exemple je pousse 2-3 cases avec une libération, je vais diviser par 4 fois 3. J'aurai donc 75% des dommages calculés par cette formule. Moi si je fais un mot frayeur, je vais diviser par 4 fois 1, donc juste divisé par 4, je vais alors frapper environ du 33 dommages, donc 132 divisé par 4 ça fait 33. Donc ça risque d'être assez embêtant peut-être pour certaines races, mais je pense dans l'ensemble c'est vrai que c'est un peu plus logique. Donc il y a quelques nouvelles choses pour les alliances. Donc désormais il y aura pour la mine des Doppels, village, la canopée et les galeries abandonnées, donc le truc des Wobbits. On pourra quand même combattre des monstres sans avoir l'alliance. Ensuite quelques petites autres modifications, pas très importantes. Désormais les monstres de recherche, les avis de recherche, donc ils vont réapparaître automatiquement dans les groupes sans qu'on ait besoin de farmer la zone pour que ça les fasse respawn. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, les endroits d'obtention sont un peu changés. Une nouvelle panoplie de l'île de Noël, donc niveau 199, du Père Fouettard. A savoir d'ailleurs qu'avec Ombre, il y a deux nouvelles panoplies également. Voilà, la carte du monde, je vous en avais parlé avant. Les phénix, tout ça. Ensuite, la création de personnages. Pour parler un peu des couleurs, il n'y a pas grand-chose à dire. Des raccourcis. Ouais, c'est pas super intéressant non plus. Alors l'almanach, ça c'est un peu utile. Désormais dans l'interface, il y aura une option pour désactiver les notifications journalières. Donc chaque jour, vous avez... N'oubliez pas d'aller faire votre almanach aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu chiant, surtout pour les personnes qui ont déjà leur almanach. Ensuite, il y a quelques informations un peu pratiques pour les combats. C'est principalement des raccourcis ou comme ça, c'est un peu pratique. Il n'y a pas quand même beaucoup de changements. La forge magie... On peut désormais forger magie des items liés, c'est ce qui est vraiment important. Sinon, il y a des autres trucs un peu plus pratiques qui sont créés. Un peu la correction des bugs également. Voilà, je survole un peu tout ça. Maintenant, un truc un peu plus important, pour l'élevage en tout cas. La taille des étables passe de 150 à 200 DD. C'est assez pratique. Moi, je suis souvent coincé à 150. Là, quelque chose de vraiment très important. Les enclos publics passent de 5 à 10 montures maximum. Donc déjà, ils ont rajouté le fait qu'on puisse aller à Bonta et à Brakmar, même si on est Bontarien. Maintenant, ils rajoutent que c'est à 10 montures, donc c'est vrai que l'élevage sera un peu accessible à tout le monde sans enclos privé. Et donc, pour faire les succès, ce sera assez facile. Et voilà également un nouveau filtre. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à savoir. Maintenant, les écaflips, donc beaucoup de changements pour eux. Certains diront pour le pire et d'autres pour le mieux. Donc esprit félin, je ne sais pas quel niveau il était avant, donc il perd 1 de portée, je crois avant il avait 2, ou peut-être 3, même je ne sais plus. Mais bah, ça permet de se téléporter symétriquement derrière la cible, donc si on l'attaque juste en face de nous, on va passer derrière elle, c'est sympa, mais c'est pas très utile. Ça réduit également les dommages qu'on va subir ensuite, c'est vrai que c'était un peu abusé, mais dans les deux sens c'était un peu abusé, bref. Roue de la fortune. Donc le bonus de puissance est augmenté. Les 10% de vitalité sont enlevés. Donc au bout de 3 tours, on allait perdre 10% de la vitalité maximum. C'est vrai que c'est pas très utile. Par contre, un truc très important, applique désormais un malus de 15% de résistance élémentaire sur la cible pendant 2 tours avec un délai de 3 tours. Donc vous allez subir 15% de faiblesse, mais pour vous faire qu'un flip. Ça fait plus mal que les 10% de vita. Fixe le temps de relance de trèfle à 3 tours. Voilà. Réflexe, donc ça réduit les dommages. Ça, c'est pour le moins bien dans tous les cas. Langue râpeuse, portée augmentée. Le malus de portée est augmenté, mais ça ne dure plus qu'un tour. Cumule des effets, max 1. Tout ou rien. Donc le gain de points de vie est augmenté. Repoc, le sort passe à 5. 5 PA, les dommages sont augmentés. C'est intéressant ça par contre. Mais le cumul max des effets passe à 1, donc pour les AK multi-éléments c'est un peu chiant pour eux. Voilà. Chance d'écaflip, par contre là, le très 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 gros changement. Donc avant c'était 50% de chance
que les qu'on se fasse soigner par l'attaque et 50% de chance qu'on reçoive deux fois les dommages. Donc en moyenne, on recevait 50% de dommages. Là, désormais, c'est le premier tour, on les soigne à chaque coup reçu, et le deuxième, reçoit les dommages le double. Donc faut vraiment faire un peu attention. Donc en fait, le premier tour, c'est un peu une imu qui nous soigne. Donc on peut même l'utiliser pour soigner complètement un perso, ce qui est très utile. Cependant, le tour d'après, il faut vraiment le mettre à distance, sinon il va se choper le double des dommages. Maintenant, trèfle, le fonctionnement il est vraiment, vraiment changé. D'ailleurs, ça a un effet un peu avec roue de la fortune, c'est entre les deux. Ça modifie en fait les sorts un peu, je crois. Je sais pas comment ça fait d'autre. Donc tout rien, le sort ne fait plus de dommages aux alliés et ne soigne plus les ennemis. Ça permet d'enlever les soins et des dommages, voilà. Pile face, la même chose. Griffe joueuse, ça occasionne plus des dommages. Ça occasionne. Ah, ça fait désormais les dommages en vol. Je crois, bon, c'était pas des vols, voilà. Esprit félin, n'occasionne plus de dommages ni à la cible ni au lanceur. Ça, c'est pas très intelligent. Donc, c'est juste, je crois, pour enlever du retrait PA. Ouais, bof. Voilà, hein. J'ai quand même en général l'utiliser pour frapper. Perception, rend des points de vie. Ouais, dommages de top cage sont réduits. Bof. Donc trèfle n'a pas l'air très intéressant. Bref. Griffe invocatrice, c'est juste le sort qui est un peu plus BL. Et félation avec une portée minimum réduite. Intimidation pour les yop, c'est un peu embêtant. Intimidation, on pourra le faire donc plus que deux fois par cible, par tour. Et trois fois par tour. C'est un peu embêtant, oui. C'est vrai que les dommages de poussée maintenant, ils sont un peu avantageux pour Liop qui va frapper un peu plus. En fait, je suis même pas vraiment sûr, mais bon. Bref, c'est un peu embêtant. Piège sournois, donc mais désormais ça frappe feu. Avant ça frappait terre, maintenant ça frappera feu. C'est donc en zone. Et ça attire les personnes vers le centre du piège. Je pense que ça aura un peu la taille d'un piège répulsif. Donc le piège répulsif, justement, il occasionne également des dommages air aux ennemis. Le piège de silence. La taille est réduite, ça devient un carré de 2. Un carré, c'est un peu bizarre. Bullish. Donc le cumul de bonus au dommage de poussée passe à 1. Donc maximum une fois, avant je crois que c'était 2. C'est un peu embêtant également, déjà que les deux pouces ont un peu changé. Il est désormais possible de pousser ou d'attirer les tourelles steamer. Ça, c'est super. Oh putain, comme les tourelles steamer, ça saoulait. Voilà, maintenant, intéressant. Monstre et boss. Là, regardez ça. Ça, c'est vraiment le super bon point de la mise à jour. Mrs. Freeze, les dommages de poussée ne tuent plus les personnages durant les combats, mais leur appliquent 20% d'érosion. On ne va enfin plus crever sur ce putain de Mrs. Freeze. Bon, voilà, le reste, il n'y a pas grand-chose. Le niveau et l'expérience du Cralamour géant sont diminués. Un peu moins d'XP, d'accord, ça, c'est pas très bien. Mais sinon, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Voilà. Sinon, il n'y a pas grand chose. Oui, les trophées ont un peu leur stats changé. Entre autres, le trophée Vita fait un peu plus de Vita. Je crois également qu'il y aura une quête pour obtenir le Dofus Emerald. Je sais pas si on en parlait au début. Ah voilà. Une nouvelle quête, j'ai oublié de le dire. Une nouvelle quête pour obtenir le Dofus Emerald. D'ailleurs, il sera lié pendant 4 mois. Il ne parle pas de l'effet du Dofus Emerald. Peut-être que je peux regarder. Donc le bonus du Dofus Emerald est augmenté de manière rétroactive. Juste voir ici si j'arrive à trouver quelqu'un. Voilà, j'ai regardé, il fait 200 de Vita. Donc un point de plus que le trophée. C'est vrai que c'est un peu plus intéressant. Avant il était un peu pourri à 100 de Vita et encore ça m'a fait un très bon jet. Sinon, il n'y a pas grand chose. Ouais, là y a plus grand chose à dire. Ah, également pour le serveur héroïque, ça c'est intéressant pour les serveurs sur héroïque. Donc on gagne 25% de l'expérience des personnes qu'on tue, contre 10 auparavant. Ça a un peu changé, c'est pas mal. Je sais pas, de toute façon j'y joue pas. Puis y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. Voilà, donc ensuite. Quête. Ah oui, pour les succès. Il y a un nouveau succès pour les personnes qui ont terminé la quête Show du Slip. Et il faudra savoir que le Show du Slip, il y a désormais un craft à faire. Et également un nouveau succès pour 800, 900 et 1000 quêtes. D'ailleurs, je pense qu'ils vont faire un sacré paquet d'XP. Je peux regarder ici. Bon, je crois que j'ai à peu près 700 et quelques.
Voilà, donc ça fera 20 millions d'XP. D'ailleurs, plein de points de succès, quand même, vachement, vachement beaucoup, hein. 80, 90 et 100, avec jusqu'à 25 millions à la fin. Ornement 14. Donc là, je pense qu'il faudra quand même faire un sacré paquet. Dire que l'almanach suffit pour tout faire, c'est plus vraiment vrai. Ça fait plus que 365 en fait. 366. Voilà quoi. Donc c'était un peu tout sur cette mise à jour. Il y a des bons trucs, les Ecaflip, je ne sais pas encore qu'en penser. De toute façon, j'en ai pas, je dirais. Les systèmes de compagnons, c'est assez intéressant. Même si les élémentaires, il y en a pas mal qui sont un peu pourris, donc c'est un peu con. Mais Ombre et Lumino, ils sont vraiment, vraiment cool. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas quoi. Peut-être sur le nouveau donjon de Ombre directement sur la bêta. Puisque comme ça, j'ai pas besoin d'abonner mes persos. Non, j'ai un peu la flemme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Espremenco.